Bueno, fue un cambio también mío. Yo creo que mejoré, como te dije, por partidos jugados, con los partidos jugados que tuve con Andrés, mejoré y cuando el día que llegó Sampaoli creo que demostré otra imagen. Y eso creo que también ayudó. Con Andrés no le debo nada, estoy súper agradecido de haberme traído aquí, de haberme devuelto la confianza. Y con Sampaoli también porque es el que me ha dado minutos. Sé que tenía una relación desde antes, lo conocía, él me conocía como jugador, así que eso también debe haber ayudado. Y bueno, y yo creo que también lo he demostrado en la cancha para poder seguir estando. Oui, ça a été surtout un changement pour moi. Je me suis amélioré après, avec tous les matchs que j'ai joués. Avec chaque match que j'ai joué, je ne me suis pas amélioré. Peut-être qu'avec Sampoli, mon image a changé. Mais tout d'abord, je voudrais dire qu'avec André Villas-Boas, j'ai obtenu sa confiance et je le remercie pour cela. À Sampoli, je le remercie pour le temps de match qu'il m'a donné. Et en effet, il me connaissait, je le connaissais déjà, mais après, je lui ai montré sur le terrain ce que je savais faire, ce que je pouvais faire. Alors, deux questions pour Léo. Alors, la première question, pour la saison prochaine, en tant que joueur, quel est l'objectif? Se qualifier pour la Ligue Europa ou une place en Ligue des Champions? Et la deuxième question, en tant qu'Argentin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le sacre de l'Argentine à la Copa América et enfin le sacre pour Messi? Bueno, el objetivo nuestro de esta temporada, por supuesto, es hacer un buen papel en la Europa League y también hacerlo en la Liga. Somos el OM, somos el club más grande de Francia y creo que tenemos que estar a la altura, hacerlo lo mejor posible en la Liga y clasificar a Champions también para tener de vuelta sacarnos la espina que de la anterior y bueno, también como te digo, hacer un buen papel en la Europa League que también es muy importante. Y con respecto a la segunda pregunta, me quedé hasta tarde por ver ese partido. La verdad que es algo que deseaba ver a la Argentina campeón, que hace mucho no pasaba. Había un grupo de personas que había sufrido mucho por muchas derrotas o por críticas del periodismo, de la gente. Y creo que también se han sacado una espina. Y poder ver a Messi campeón con la selección argentina creo que es una de las cosas más lindas que he visto. Bon, par rapport à la première question de l'objectif de cette saison, on veut faire belle figure pour l'Europa League. On veut vraiment faire quelque chose de bien pour le maximum pour cette Europa League. Et il ne faut pas oublier que l'OM est le plus grand club de France. Donc on veut aussi faire le maximum, le meilleur possible en Ligue 1. On veut également se qualifier pour la Champions League. En ce qui concerne la deuxième question, je vous confesse que je me suis couché tard pour voir ce match de la Coupe América. C'était vraiment important pour moi et même pour beaucoup de gens qui étaient sur le terrain. C'est parce qu'il y avait beaucoup de souffrance auprès de certaines personnes. La presse a été dure pour beaucoup de gens. Donc oui, je suis très heureux pour l'Argentine. Je suis très heureux pour Messi qu'ils aient gagné cette Coupe América. Et je crois que c'était la plus belle chose au monde. Jean-Claude. Maintenant que tu n'es plus prêté, mais que tu as signé 5 ans à Marseille, est-ce qu'on peut s'attendre à t'entendre parler français plus souvent? Oui. Oui. Je dois parler français, je sais. J'espère que la prochaine fois, je peux parler avec toi en français. Mais estoy Valentin. intentándolo. Je l'essaie en tout cas. Valentin? Oui, au-dessus là. Merci. Léo, je suppose que tu voulais pas partir sans voir aussi le Vélodrome plein. Tu n'as jamais connu ce stade plein. C'est aussi un désir, je pense, personnel fort pour toi.
en tant qu'Argentin, avec ces grosses ambiances, tu dois connaître ça. Tu as un message particulier à adresser aussi à ces supporters qu'on espère tous, on va bientôt les revoir. Sí, 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 por supuesto. Es algo que siempre me gustó jugar con el estadio lleno. Me pasó en Boca Juniors, me pasó con la selección y con Borussia también. Creo que es otro sentimiento. Y por lo que pude ver en este estadio, se siente algo diferente. Dentro del terreno del juego, con todos los supporters que son súper fanáticos. Así que espero pronto poder verlo lleno, porque es, como les dije antes, lo que deseo. Este estadio es hermoso, así que me imagino con todos los supporters que debe ser algo único. Me pasó que metí un gol acá en el estadio, fue hermoso, pero faltaba algo, que faltaba los supporters. Oui, j'ai une grande envie de pouvoir jouer avec ce stade plein. Je l'ai déjà joué à Boca, j'ai déjà joué en équipe nationale, j'ai déjà joué avec le Borussia. Ici, c'est différent. Les supporters sont vraiment très fanatiques, très forts, très importants. Et j'ai souvent entendu dire que c'est incroyable cette ambiance ici. Le stade, il me semble qu'il est vraiment très beau quand il est plein. Je sais que j'ai déjà marqué un but ici, mais sans les supporters sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Et je veux les supporters. Merci beaucoup. Ah, Romain. Sur la vie de groupe en interne, on sait que vous aviez formé un petit groupe de joueurs qui s'entendaient très très bien l'année dernière. Il en manque un quand même. Il te manque pas trop, Paul Lirola? Est-ce que tu n'as pas un message à faire passer au président? Bueno, todavía no se cerró el mercado de pases, eso queda es tema de la dirigencia, no sé lo que va a pasar. Me encantaría que venga Paul, porque era parte del equipo, parte del grupo, así que bueno, no está en mis manos y no puedo hablar de ese tema. Bon, je peux pas vraiment vous parler à ce sujet-là parce que je sais pas vraiment ce qui va se passer en tout cas. En tout cas, Paul, c'est quelqu'un qui en effet qui a eu un rôle important à jouer, mais tout cela n'est pas dans mes mains. Avez-vous des questions pour Pablo au sujet de Léo ? Oui, Romain, vas-y, je t'en prie. Oui, ben on a posé déjà la question à Léo tout à l'heure. C'est un confrère qui l'a posé, mais il y a beaucoup de défenseurs centraux. Est-ce que le fait d'avoir arrivé Saliba et Luan Perez ces prochaines heures, ça veut dire que Douye Tchaletatsar devrait partir dans ce mercato, ou au pire des cas, y aura 5 très bons défenseurs centraux et c'est pas grave? La conséquence directe de tous les deux transferts qui sont arrivés pendant les dernières heures, c'est le départ de Lucas à Strasbourg, qui comme garçon formé au centre, je dois dire les mêmes choses qu'il a dit Léo. Et lui souhaiter une très très bonne saison, et surtout parce qu'il est un garçon extraordinaire, engagé, qu'il aime beaucoup le club. On peut parler que maintenant on a 4,5, surtout parce qu'on peut considérer que Luan Perez, pour la façon de jouer qu'il avait fait à Santos, il est un défenseur à 3 côté gauche, mais il a aussi joué beaucoup de matchs. Spécialement quand il est arrivé en Europe à Bruges, il est arrivé à Bruges comme un arrière-gauche. Pour ça qu'à niveau numérique, et c'est ce qu'on a toujours expliqué des joueurs par position, maintenant numériquement nous sommes dans le nombre de joueurs qu'on voulait avoir dans l'effectif, et ça n'implique pas nécessairement en cas de départ pour des questions numériques. Dernière question, Jean-Claude, parce qu'on va aller faire les potes, Conrad va partir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour négocier avec Dortmund et baisser alors qu'il y avait une option d'achat et arriver à acheter encore moins cher? C'est un des secrets de vos talents de négociateur? Je ne sais pas si talent ou moins. Normalement, il y a toujours une question, non, que les joueurs ils jouent où ils veulent. Ça, c'est la règle numéro un dans les marchés à laquelle les clubs nous sont soumis. Dans le moment que Léo... il s'est engagé à venir à Marseille, et vraiment, tout le monde a compris, nous inclus,
la vraie volonté des joueurs, négocier avec, avec un deuxième club, c'est plus facile. Là-bas, c'était lent, c'était long, surtout parce qu'on parlait avec Dortmund depuis longtemps, ça c'est la vérité. Jusqu'à il était le moment d'un distanciation pas très grand, là-bas c'est le moment où il faisait accélérer. On a trouvé une bonne formulation. J'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de Dortmund. C'était vraiment une négociation que c'était sympa, on peut dire, dans les termes de négociation. Et finalement, ce qui a ralenti plus l'opération, c'était la dernière semaine et voir qu'il avait la, la possibilité de céder un peu plus de la partie finale. Mais nous sommes contents et je crois que Dortmund aussi il était content avec l'opération. Surtout, on doit remercier Dortmund pour les facilités qu'ils nous ont données, même pour les paiements, pour chercher d'éviter de toucher beaucoup les cash flow pendant la première saison. Et ça, c'est une chose qui nous aidait. Et vraiment, avec Dortmund, c'était une négociation de beaucoup de respect dans laquelle je crois que tous les deux parties nous sommes contents. Merci. On va faire une petite photo avec, avec Léo.